Ô oh, Verbe éternel, Rawallah, toi qui donnes l'essence à toute création, à toute créature. Éternel, que ta gloire soit faite sur la terre, comme dans les lieux élevés. Merci éternel, que je sois maudit si ce que je, je, je vois n'est pas de toi. Éternel, en ce jour, aujourd'hui tu m'as montré une goutte d'eau dans le désert et une goutte de sang dans le béton. Je pensais que c'était le nombre, mais après la prière, j'ai vu que tu parlais en trois temps, comme d'habitude. Et tu l'es. Et là, nous sommes... Euh, j'ai pas de mots. L'Éternel me montre le, la loi de Moïse numéro 4, c'est-à-dire tu honoreras celui ou celle qui t'a élevé. Vous voyez, parce qu'on dit père et mère, mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est la génétique. C'est celui ou celle qui t'a élevé. Tu peux tomber sur des parents méchants qui t'abandonnent. C'est pour ça qu'il faut dire celui ou celle qui t'a élevé. Et tu me dis l'ordre. Donc, je pense que là, on est autant. Beaucoup de gens désobéissent ou délaissent leurs parents. En tout cas, c'est ce que Allah m'a montré. Donc, là, on va parler des gouttes. Ça commence. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi 4 août 2021. Donc, on va garder d'abord le M pour représenter mercredi. Le 4 qui fait la lettre D. Euh, août, qui fait la lettre H, comme c'est le 8e mois, et 2021, qui est l'année du 5, donc le E. Nous fêtons Saint-Jean-Marie-Vianney. Donc, je sais que chez les chrétiens, Jean représente l'Apocalypse, et Marie, c'est Mariam. Donc, Vianney, je vois un truc avec le nez, c'est-à-dire Vianney, je vois un truc avec le nez, comme ça, et via. Parce que l'éternel donne le souffle, mais je vois Vianney le nez de la vie ça que vous voyez que dans les statues égyptiennes comme je disais le nez n'a rien à voir avec la forme de nez des noirs ou je sais pas quoi c'est pour couper le souffle entre Allah et nous vous comprenez donc là on vient de me dire que c'est la sourate 44 verset 13 mais on m'a dit de lire à partir du 11 attendez Eh bien attends le jour où le ciel apportera une, une fumée visible qui couvrira les gens ce sera un châtiment douloureux Seigneur éloigne de nous le châtiment car à présent nous croyons D'où leur vient cette prise de conscience Alors qu'un messager explicite leur est déjà venu Donc là c'est celle là qu'on attend C'est le 13 Puis ils s'en détournèrent en disant C'est un homme instruit, un possédé Nous disperserons le châtiment pour peu de temps Car vous re Le jour où nous userons de la plus grande violence Et nous vous vengerons Et avant eux nous avons déjà éprouvé Le peuple de Phéroan, Pharaon Quand un noble messager leur était venu donc, létat ne montre pas ce qui s'est passé là dans, dans le monde invisible. Bon, en tout cas, c'est le message qui m'a fait, fait voir. Donc, c'est d'où leur vient cette prise de conscience alors qu'un messager explicite leur est déjà venu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui posent trop de questions, ils ne croient pas en fait, parce qu'en fait, ils lisent pas les livres il lit pas bien la Torah, il le Tanakh, il lit pas bien la Bible, il lit pas bien le Coran qu'avec les yeux. Donc pourquoi Allah me montre ça aujourd'hui le jour de Jean de l'Apocalypse et, et de Marie j'ai trouvé déjà le premier que ne m'a pas montré. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Donc là, c'est la sourate des abeilles 16 verset 4. Donc là, c'est le début L'État m'a montré la fin. Donc là, j'ai vu le début. D'accord il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà que l'homme devient un disputeur déclaré. Il a créé l'être humain d'une minuscule goutte puis il devient un ardent opposant. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme et voilà qu'il devient un opposant clair. Ça veut dire, ça veut dire que là, il n'y a pas de retour en arrière, là en fait. Il a créé l'homme à partir d'une semence, mais il devient alors clairement en opposition. Il crée à création l'être humain provenant de qui contre parmi une goutte de sperme alors lorsque lui, il... Un adversaire clair évident manifeste. Donc là aujourd'hui, en fait, ça me montre que les humains sont devenus ses adversaires donc ils sont semblables à Eblis, à Satan, à Hubab, vous comprenez Donc là j'ai recherché pourquoi le verbe éternel Rawallah m'a montré la goutte d'eau dans le dans le Sahara, m'a montré le Sahara. Le supplice de la goutte d'eau est une méthode de torture consistant à attacher un condamné immobile sur une planche. Dès lors, à intervalles réguliers, une goutte d'eau tombe sur un front. Le manque de sommeil et la répétition usent la résistance du sujet. Donc là, euh, on peut comprendre que là il y aura de la torture qui va arriver en fait, de la torture. Et là, on va analyser le mot Sarah. Mais là, je sens que ça, là, l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a, il a tellement, l'Éternel, le verbe a tellement laissé de temps aux humains de se repentir, ils ne veulent pas en fait. C'est ça que l'Éternel me fait comprendre en fait. Vous savez que le verbe Allah et, et j'aime pas son miséricordieux, il est pardonneur. Vous voyez, donc je comprends pas. Si Allah me montre ça, c'est que là, ils ont vous avez dépassé des, 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 des les bornes. quoi J'arrive même plus à parler parce que j'ai j'ai l'anxion, en fait. J'ai froid dans tout le corps. Que là, la vibration me montre tristesse, mais maintenant punition. Aujourd'hui. Vous voyez, donc là, je vais, on va, je vais regarder l'histoire du mythe. Qu'est-ce qu'ils disent dans les mythes des, des, des anciennes divinités Donc là, tout de suite, il est quelle heure 21h02, 14%. Donc Allah me montre une expression, c'est-à-dire quelque chose qui va vite, express venu de Sion. Française apparue au 19e siècle. Il y a encore un code 19, siècle. Il y a mon nom et c'est avec le C à la fin. Il s'agit d'une métaphore où le contenu d'un réservoir presque plein déborde à cause d'une goutte d'eau de trop. On comprend l'allusion faite à la parole de trop qui pourrait engendrer une explosion de colère. Vous voyez Il n'y a pas d'hasard. Franchement, personnellement, je ne vois pas. Allah m'a pas montré le pourquoi de sa colère, mais j'identifie par rapport à ce qu'il me dit avec vous, là, parce que j'ai eu ça ce matin, donc je fais une vidéo express, justement. Donc, dans la mythologie grecque, Métis, et ce matin, pourtant, il m'a montré qu'après, c'est un truc comme ça. Donc, là, j'ai la réponse aujourd'hui. Elle est la fille de Océan et de Tétis. Comme par hasard, il y aura l'océan c'est aussi la lettre euh, hébreu. C'est le het. his het. Mais de toute façon, je l'ai mis dans l'autre. Euh, c'est la huitième lettre hébraïque. Ouais. Et elle a le pouvoir de changer de forme. On raconte que Zeus vivait autrefois avec Métis, n'étant pas encore marié avec Hera. Hera, c'est la Beyoncé qu'on a vu dans la vidéo. Métis attendait un enfant. Mais le destin prédit que cet enfant serait plus puissant que son père. Et Zeus, ayant peur de perdre son pouvoir, demanda à Métis de se transformer en goutte d'eau. Quand Métis l'eut fait, Zeus l'avala, croyant la situation réglée, mais elle ne l'était pas. Quelque temps plus tard, Zeus ressentit de violents maux de tête. Donc là, nous, moi je regarde la vie des divinités parce que Allah est partout. Donc Allah me montre que dans les divinités, l'histoire de la sensation que vous recevrez euh, en parabole de la goutte d'eau. Voilà. Donc quelques temps plus tard, Zeus ressentit de violents maux de tête, fou de douleur et demanda à Héphaïstos de l'aider. Celui-ci lui fend le crâne. Donc il y aura, oh, il y aura des têtes coupées. Hein. De la tête de Zeus sort, sort Athéna qui jaillit toute armée en poussant un cri de guerre qui fit trembler l'Olympe. Minerve serait donc la fille de Métis et de Zeus. L'on ne sait pas grand-chose de Métis car celle-ci est souvent représentée de très petite taille à côté de Zeus sur son trône. Donc là, c'est comme si un cri de guerre qui a jailli. Donc qui représente la goutte d'eau. Mm -hmm. Donc ce que je peux comprendre, c'est désert signifie vide, abandonné, déserté, dévasté, dépeuplé, dénudé, désolé, infréquenté, fréquenté, passant, habité, peuplé, abandonné, désolé, frère. Euh, cri dans le désert, n'est pas être entendu. Faire le désert autour de soi, s'exclure. Habitant du désert, nomade sahari, Parler dans le désert, parler sans être écouté. Père du désert, un ermite. Parler sans être écouté. Donc là, en fait, tout ce qui est avec les verbes en dessous, c'est ce que nous, les, les, les êtres lumineux, on aura quoi on ne sera pas entendu, on sera exclu, on va, on sera sans domicile fixe. Quand on va parler, euh, afin qu'ils se répondent, ils vont pas nous écouter. On va être désarmés, c'est-à-dire qu'on va être tout seul dans notre coin. Et on va parler sans être écouté. C'est ça qu'Allah m'a fait sc euh, screener le tout en bleu là. D'accord Donc quand je vois la, la première parabole qu'Allah m'a montrée, parce qu'on n'a montré que deux, comme je dis la première, c'est parce que c'est écrit euh, déjà dans le Coran. Euh, donc, ce, la goutte. Dans le dés la goutte d'eau dans le désert. Donc je peux voir que la goutte, goutte d'eau représente la sensation de l'humain. Hein? Donc la sensation de l'humain, ça veut dire qu'on serait qu'on a 70% ou 80% d'eau dans le corps avec des douleurs. Et le désert, c'est le lieu. Donc quand Allah me parle, donc, il là il m'a montré la sensation et les lieux, le résultat des lieux où nous serons. D'accord. Ok. Donc, euh, je pense que vous voulez m'apprêter à ce qui va se passer. Solitude. Bon, après, moi, ça change pas, si je parle pour vous. Mais on va continuer avec la goutte de sang dans le béton. Mais avant ça, donc, comme j'ai vu pas que le sable, j'ai vu Sahara il m'a montré. Donc, ça veut dire H. H en anglais signifie cendre. Et le reste, A-R-A, -A, ça veut dire 191 parce que 1 plus 8 du R, ça fait 9. D'accord C'est aussi ma date de naissance. Si vous calculer 19,09,81. Donc ça fait 911, 119. Ça veut dire urgence, la loi. Donc... Il fallait les retracer correctement pour éviter les disputes. Ainsi, les Égyptiens commencèrent à tracer des lignes droites, des rectangles, des carrés, des diagonales, des cercles et des triangles avec des fils et des bâtons. Tout était noté sur des papyrus. Ce fut le début de la géométrie. Ils comprirent un fonctionnement fondamental de la nature. Tout est fractionné ou assemblé en petites unités égales. Cette constatation va leur servir tout au long de leur découverte. Il leur fallait aussi une unité de mesure pour bien délimiter les parcelles. C'est bien de faire de la géométrie, mais il faut mesurer les lignes. Ils pensent au pied du roi. La longueur du pied du roi peut être utilisée comme étalon. Cet étalon sera multiplié et distribué dans tout le royaume. Ils essayaient les pieds, les bras, les jambes, les coudes du roi, mais il y avait un problème. Cette unité n'était pas fixe. Le problème était réglé pendant son règne, mais tous les rois n'avaient pas la même taille. Le roi suivant voudrait sûrement qu'on utilise son pied ou son coude par jalousie. Dans les collines, en attendant le recul du Nil, les Égyptiens réfléchissaient et cherchaient une solution au problème. Il fallait que cette unité de mesure ait une longueur fixe dans le temps, si possible, qu'elle ne change jamais. Ils observèrent la taille de différents végétaux, celle des fruits, des graines, tout objet y passa. Mais tous ces objets n'avaient pas de taille fixe. Par exemple, si on arrosait bien une graine, l'année suivante, sa taille changeait. Et sur des longues distances, la différence devenait vite importante. Tout d'un coup, ils ont eu l'idée de mesurer l'eau. Oui l'eau douce du Nil. Ils mesurèrent une goutte et ensuite une autre. Elles avaient toutes la même taille. Du bas Nil jusqu'au haut Nil, les gouttes avaient la même taille. Ils remarquèrent que la taille de la goutte d'eau ne changeait pas année après année. C'est génial. Les Égyptiens ont trouvé l'unité unique. Le diamètre de la goutte d'eau sur une surface imperméable, comme du granit ou de l'alabastre, est constant. Il mesure 1 cm. Aujourd'hui, une... ils vont nommer cette petite unité doigt royal. 10 gouttes d'eau, soit 10 doigts royaux, égale une main royale. 100 gouttes d'eau, donc 100 doigts royaux ou 10 mains royales, égale une jambe royale. Des siècles plus tard, on sortira ces découvertes des coffres secrets et on les renommera différemment. Le doigt royal sera appelé le centimètre. La main royale, le décimètre, et la jambe royale, le mètre. On les présentera comme des découvertes récentes et on se les appropriera, made in France. Le diamètre de la goutte d'eau douce mesure ce qu'on appelle aujourd'hui un centimètre. L'eau est une constante universelle. La taille de la goutte d'eau douce ne changera jamais pendant des milliers et des millions d'années. Oui, l'unité universelle. Le mètre n'a pas été inventé en 1780, mais elle fut découverte par les Égyptiens il y a des millénaires. Le mètre est une unité universelle parce qu'elle est mesurée sur l'eau. L'eau est la seule matière qui soit stable. Tous les autres matériaux ou objets sont difficiles à mesurer ou alors ils varient dans le temps. L'architecture de l'univers entier est construite sur cette unité. Sur le mètre, cette unité immuable, ont été définies les six unités fondamentales de la physique et de la chimie d'aujourd'hui. L'ampère, le Celsius, la mole, la candela, la seconde et le kilogramme. Donc, tout. Ils vont nommer cette petite unité. Doigt royal. Donc, si le verbe qui est au l'éternel Rawallah m'a montré une goutte d'eau, cela signifie que c'est le doigt royal qui est là. là. Donc, là, spirituellement, euh, c'est bon, là, c'est mort. C'est-à-dire que vous pouvez me dire ce que vous voulez. Euh, je ne m'attendais pas à ça, vous voyez? Euh, là, l'éternel ne m'a pas montré son doigt, mais on a bien vu. Mais là, si l'éternel m'envoyer cette vidéo-là, c'est-à-dire que je l'ai vue, j'ai dû la télécharger. Vous voyez comment Allah est, est pas, est me guide il, il est en train de me dire que la goutte d'eau sur le sable signifie que le doigt est sur le sable. Ça y est, c'est fini, on va lire là. Pour Romain Caillet, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient. Euh, basé à Beyrouth et sur un spécialiste du salafisme contemporain, ce doigt pointé n'est pas lié à une, à une mouvance islamiste particulière, mais refère aux gestes traditionnels effectués par la plupart des musulmans au moment de prononcer leur shahada, la, prof, la profession de foi, bon, l'attestation de foi, dans l'islam. L'index pressé symbolisant L'unicité d'Allah. On peut retrouver des utilisations de ce geste dans un sens militant à la première Intifada en 1987. Notre cahier. des combattants du Hamas n'hésitaient pas à faire face aux soldats israéliens, index droit vers le ciel et pierre dans l'autre main. Donc si, pour faire la Chada, nous mettons le doigt en haut. D'accord Donc si Allah, le verbe, met son doigt en bas, qu'est-ce que ça veut dire là-haut Ça y est, on, le code est envoyé. Ça y est, je l'ai vu. Un juif s'est présenté au prophète sur la paix. L'éternel me montre, ça y est, ça a commencé. Ça y est, son doigt, il est, il est là. Ce n'est pas un hasard. Bon, Abdullah Ibn Massoud Kalalagri relate, un juif s'est présenté au messager Mohamed. Ô oh Mohamed, Allah tiendra les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les montagnes sur un doigt, les arbres sur un doigt et les créatures sur un doigt, puis dira, je suis le verbe. L'italien n'est pas le roi. Alors le messager d'Allah arrive au point où l'on put apercevoir ses molaires, puis il récita Ils n'ont pas estimé Allah sa juste valeur. C'est-à-dire que là, Mohammed savait qu'est-ce que ça voulait dire. Vous comprenez C'est un code. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts ce qui va arriver là. Ils ne sont pas prêts. Ce hadith indique Regardez, le feu il s'est allumé tout seul. Ce hadith indique la grandeur d'Allah, exalté soit-il. Puisqu'il posera tous les cieux sur l'un des doigts de sa noble et grande main, le prophète, sur lui la, le prophète Mohammed a énuméré les créatures connues pour leur grandeur en disant qu'Allah exalté soit-il en posera chaque sorte sur un doigt, sachant que s'il le voulait, Allah pourrait poser les cieux, les terres et tout ce qui se trouve sur un seul des doigts de sa main. Et un seul doigt, c'est la goutte a lu la puissance et la grandeur. Voilà une connaissance révélée. Héritée des prophètes, paix sur eux tous. C'est pourquoi le prophète a acquiescé, acquiescé aux paroles de cette personne juive qui lui plurent et le réjouirent au point de le faire rire et de laisser entrevoir ses molaires par approbation. Dans une autre version, version Abdullah Ibn Masoud, Kalalagri relate que le prophète récita la parole du Très-Haut. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, et au jour de la résurrection, il ne fera qu'une poignée de toute la terre, et les cieux seront pliés dans sa main droite. Il est élevé et bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Coran 39, verset 67. Car c'est un verset qui atteste de l'existence des deux mains d'Allah, exalté soit-il. Afin d'appuyer et confirmer les paroles de cette personne juive, il ne faut pas prêter aucune attention aux paroles des adeptes de l'annulation et de la négation qui. Qui nie l'existence des doigts d'Allah sous prétexte que le fait d'en affirmer l'existence implique une ressemblance entre Allah, exalté soit-il, et ses créatures, ce genre de négateur. Vous voyez Ignore que l'affirmation de cet attribut divin n'implique aucune ressemblance de la même façon que lorsque nous attribuons à Allah ces attributs que sont la vie, la capacité, la force, lui ou la vue. Cela n'implique aucune ressemblance entre Allah. Gloire et pureté à lui et ses créatures, puisque rien ne le ressemble et il est le Verbe qui entend. Le verbe qui voit. Vous voyez Donc si là, le verbe m'a montré que son doigt est sur la terre, c'est-à-dire qu'il reste quatre doigts là. Là, je pas encore... Là, on va voir le sang. Et là, je vais vous montrer déjà une passage de la, de la Bible. Et après, je vais vous montrer l'histoire de la mythologie des divinités. Et Jean 8, verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. On parle ça le Christ. Hein? Afin de pouvoir l'accuser. Mais le Christ s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Vous avez compris Là, ça veut dire qu'à l'époque où j'étais, j'ai écrit sur la terre. Et là, le verbe me montre qu'il a mis le doigt sur le sable. Que signifie le sable Et il m'a montré le Sahara. Parce que si vous lisez c'est quoi Sahara Ça veut dire H, cendre. D'accord C'est-à-dire que c'est des cendres. Oh non, là c'est trop. Comme je vous l'ai mis avant, là c'est trop. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Euh, je m'attendais pas là en fait. C'est à dire que c'est pas je, je suis c'est pas que je suis excité oui en, en, en soi je suis un peu excité mais je me dis comment cela va se passer puisque l'éternel m'a montré et c'est très belle parabole j'ai trouvé ça beau moi je suis parti chercher les d'eau et tout hein, hein. Allah m'a montré tard et j'ai commencé plus tôt, hein. ça fait au moins deux heures je, je suis en train de chercher je suis dans le bon sens mais à la dernière seconde Allah me montre que m'envoie la vidéo c'est grave. Abdullah Ibn al zubayr qu'Allah soit satisfait, excusez-moi je mange. Ce, celui. Abdullah Ibn al zubayr qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté, lorsque le messager s'asseyait pour accomplir la tâche Houd, il posait la main droite sur sa cuisse droite et la main gauche sur sa cuisse gauche, puis leva l'index et passait son pouce sur son majeur tout en saisissant son genou. De la main gauche. Ce deuxième hadith donne quelques détails sur la position mentionnée dans le premier hadith. Wahil ibn Ijr a rapporté J'ai vu le prophète s'asseoir durant la prière en s'assiant sur son pied gauche et en mettant ses bras sur ses cuisses, puis lever l'index tout en invoquant Allah. Vous avez vu le code Les gens ne le savent pas. Parce que ça y est, le doigt est sur, la sur, la sur le sable là, il est dans le désert là. Bon, euh, ça fait un peu peur parce que je vois des autres, des autres choses. Comme je vois Sarah, il y a mon prénom dessus, donc je ne sais pas si c'est un, un message... Euh... Là, je suis un peu perturbé comme les enfants. J'ai chaud. Ouf Je m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Je m'attendais pas vraiment à ça, là. Ça veut dire que c'est la guerre qui est lancée. Hein. Ça, ça, ça a commencé là. Est, spirituellement, ils sont prêts. L'index est le doigt de la direction. C'est avec lui que l'on montre ou que l'on indique un chemin, par exemple. C'est lui qui ordonne les choses au sein de votre vie. On l'associe aussi à l'index alphabétique et au secret. On dit chut Avec l'index sur la bouche, c'est aussi le doigt de l'autorité. Il est d'ailleurs associé au dieu grec Zeus, qui est le, entre guillemets, roi des dieux. Lorsque certaines personnes portent une bague à ce doigt-là, on dit qu'elles aiment diriger et prendre des responsabilités. Mais là, il faut savoir que le, le doigt, la, la goutte d'eau... Ça. Donc, le verbe éternel rawallah a mis le doigt sur le désert. Sahara. Ou ça peut faire Sarah. à Sarah. Donc, euh, j'attends, on va analyser. Euh, D'abord, je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait avant. Et ensuite, là, on va analyser le, euh, la goutte de sang. Parce que la goutte de sang, c'est encore lié à, à, à moi, la femme écarlate. Donc, euh, je... Voilà, je suis un peu perturbé là. Je ne m'attendais pas encore à ça. J'étais sur vraiment autre chose. Vous voyez J'étais sur autre chose. C'est-à-dire que pendant ce temps, j ai, j ai, je lisais les psaumes 119. Comme je l'ai dit, il faut lire le psaume 119. Donc je l'ai chanté et tout. Mais là, on me l'a fait enlever en fait. Pour mettre dans une autre chaîne de chant. Mais euh, là, le doigt sur le Sahara. Là, c'est pas bon. De hein. toute façon, on est. Là, il reste quatre doigts. Hein? Il reste quatre doigts. Donc on continue. l'éternel Rawallah m'a montré ça, ce que le messager avait dit. Que son nez soit écrasé dans la poussière, puis écrasé dans la poussière, puis écrasé dans la poussière. Les compagnons ont demandé au oh, messager d'Allah qui est-ce. Il a a répondu Celui dont les pères et mères ont atteint la vieillesse, les deux ou l'un d'eux, et n'est pas entré au paradis. Vous voyez, donc, euh, donc ce sont les enfants qui doivent s'occuper des parents. Parce que là, je sais pas, l'Éternel me montre ça, des enfants qui sont dé désobéissants. Donc là, on va analyser hadith Cette expression est une affirmation que celui dont les pères et mères ou l'un d'eux ont atteint la vieillesse et qui n'est pas entré au paradis sera humilié, abaissé et avili. Ou alors c'est une imploration pour qu'Allah lui fasse ceci. Il a lié ceci à la vieillesse des pères et mères, malgré que la bonté envers eux soit demandée à tout moment parce qu'à cet âge, ils sont... Ils ont généralement besoin de plus de bienfaisance de la part de leurs enfants. N'est pas entré au paradis à cause de son ingratitude envers eux ou de la négligence de certains de leurs droits. Celui-là mérite vraiment l'humiliation et l'avilissement car Allah a enjoint dans plusieurs versets coraniques aux enfants la bonté envers leur père et mère et mise en garde contre tout manquement à ce devoir. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, c'est les enfants. Il y a un problème d'éducation, en fait. C'est-à-dire que là, les même les parents seront punis parce que pour que les enfants puissent faire ça, il y a quelque chose. Donc, pour l'instant, euh, la goutte de sperme, les humains sont devenus, se sont opposés à l'éternel, d'accord, au Verbe, Rawallah. Et là, le second, l'éternel, la vision qui m'a montré la goutte d'eau dans le Sahara, c'est euh, que vous aurez des mots. D'accord Et qu'il n'y aura personne pour vous aider. C'est ce que j'analyse là, au Sarah. Et là, on va passer à de, la deuxième vision, la goutte de sang sur le béton. Dans la mythologie grecque, Adonis est le fils de Sinra et, la fille, euh, et, et de sa fille Mira. Il existe plusieurs versions sur l'identité de ses parents. D'après Apollodore, il est le fils de Sinra et de Métarmé. Après Hésiode, cité par Apollodore, il est le fils de Phénix et Alphésibé. Adonis est un humain. Amant d'Aphrodite, il est associé à la rose et au myrte. Adonis est une divinité d'origine orientale, dont le nom est certainement sémitique. La racine Adon signifie seigneur. Il apparaît en Orient avec le mythe, le même mythe, à peu de détails près, sous le nom de Tammuz ou de Tammuz. Mais ça, c'est des divinités euh, sumériennes, Tammuz. Donc, c'est avec ça l'histoire de la goutte de sang. Attendez, parce que dans la mythologie grecque, Adonis était un jeune homme dont s'est pris Aphrodite. Artemis en prit ombrage et le fut, fit tuer par un sanglier, cochon. Aphrodite s'en ému et lui rendit la vie sous la forme d'une fleur rouge écarlate. L'Adonis goutte de sang. Donc, ah, donc, donc on peut voir le code caché que Adonis signifie isadon, tout en sachant que le verbe donne, ordonne et pardonne. Donc c'est le, le don, d'accord donc là, ils sont en train de dire que Adonis, qui était un homme, est devenu une fleur rouge écarlate. D'accord Donc ça veut dire est devenu une femme, en fait. Goutte de sang. C'est pour ça que vous voyez que les chrétiens, ils disent oui, et la femme écarlate. Parce que justement, la femme écarlate que je suis a des preuves que leur égrégore, leur divinité, Jésus, est un usurpateur. Et que c'est Balder, c'est Baldur, c'est Hubab, c'est Satan. C'est le fils de Satan, de Hamon. Vous comprenez Qui se prend pour l'éternel. D'où Jésus se prend pour moi. Le doux Jésus. Je <laughs> Excusez moi, excusez-moi. Donc vous voyez, donc là c'est écrit noir sur blanc. Dans les divinités, eux-mêmes, ils se balancent. Voilà. Je vois des chevaux. Donc béton à l'envers, ça fait tombe. Hein. Du verbe tomber et tombe de la mort, les murailles. Donc aussi on voit ciment. Ciment, ça veut dire ici ment. C'est-à-dire qu'ici il y a un mensonge. Parce que normalement, vous devez avoir la vie éternelle quand vous êtes avec le verbe wallah donc euh, c'est ce que j'ai vu donc j'analyse que ces visions ça ça tout est lié à la désobéissance qui mène à la mort c'est ce que je vois en tout cas Mais on n'est pas encore passé sur le sable c'est-à-dire que le sable je pense qu'il y aura bon je pense pas vous le savez il y aura une famine il y aura où sera désert il y aura plus rien donc c'est tout ce que l'éternel m'a montré ni plus ni moins les deux gouttes